Jean-Michel Cohen est aux commandes de l'émission Bien-être du lundi au jeudi à 9h sur Direct 8. En exclusivité pour aujourd'hui.com, il nous invite dans les coulisses de son émission. C'est parti. Débrief dans la salle de travail avec Ingrid, avec Nathalie, avec Gabriel. On voit le sujet ensemble, on voit quels sont les invités, on voit quelles sont les questions qui nous intéressent. Expliquer ce qu'on veut apprendre et donc voilà, avec ça, établir les questions que nous allons poser. S'il y a des choses qu'on a oubliées ou s'il y a des questions qu'il faut absolument qu'on pose pour que les gens soient super informés et tout en étant bien-être. Pendant que Jean-Michel peaufine les sujets du jour, toute l'équipe s'active autour du plateau pour tourner les deux émissions qui seront enregistrées dans la journée. Dernière étape avant les projecteurs, le maquillage. Nous sommes dans l'espace maquillage avec ma copine. Bonjour. Qui a dû perdre encore un kilo ce week-end. Non, pas sûr. Pas sûr ce week-end? Tu t'es lâché? Ouais. Dès que je suis pas là, elle en profite. Voilà. Ici, c'est l'espace cocooning. Tout le monde est gentil. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ici, tout le monde est gentil. J'ai les annonces sommaires, j'ai tout. Je vais poursuivre pendant l'émission. Pour pas que je me trompe avec les temps horaires, combien de temps, si je dois arrêter, si je dois reprendre. 4, 3, 2, 1. Plateau. Bonjour à toutes et à tous. Il est 9h, c'est l'heure de bien-être. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Nathalie. Et on va répondre à Annabelle, enceinte de 3 mois, qui veut savoir si elle doit changer son alimentation. Les besoins sont assez peu différents de celui d'une femme qui n'est pas enceinte, parce que le bébé a une telle taille, il est tellement petit que finalement vos besoins ne sont pas énormes. Et là, à ce moment-là, il faut avoir une alimentation bien équilibrée. Bien-être, c'est l'émission du mieux vivre. Santé, nutrition, conso, société. Avec bien-être, les femmes s'offrent du temps pour elles et trouvent des questions à leurs réponses au quotidien. Comme sur aujourd'hui.com, mais à la télé. Vous avez vu que quand même, il y a une structuration, c'est-à-dire qu'on est obligé de se préparer avant. Pendant l'émission, on fait attention, on est guidé par l'oreillette et on doit respecter des timings et puis surtout, on ne doit rien oublier. Et une fois que c'est fini, on fait un petit temps de pause. En tout cas, merci à vous toutes de notre communauté aujourd'hui.com et je suis très très heureux de vous faire découvrir cette émission. Elle existe un peu grâce à vous et je le fais beaucoup pour vous. Donc aujourd'hui.com, c'est nous tous, c'est ça notre communauté.